ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಏಕದಂತಂ ಶೂಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಮಹೋಧರಂ ಪೀತವರ್ಣಂ ವಿನೇತ್ರಂ ಚ ದಂದಲಡ್ಡುಕಧಾರಿಣಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಏಕವಕ್ತ್ರಂ ವಿದೋರ್ದಂಡಂ ಕಟಿಬದ್ಧಭಯಾನ್ವಿತಂ ತರುಣಾರೂಪಸಂಕಾಸಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಶ್ರೀ ವಳ್ಳೀದೇವಸೇನಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಜರಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ. ನಮಃಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರುದರಾಭ್ಯಾಂ ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. Vanakkam et tous, je suis très content pour partager l'avantage de cette année avec vous. Une fois, yen iniye tamil puttaandu nalvaazhthukkal. Nous allons regarder une fois la signification de Panjangam. Panjangam c'est quoi? Panja c'est 5, Angam c'est Pachi. Cinq choses très importantes pour voir le jour propice ou pas. Cinq, c'est quoi cinq? Cinq, premier c'est Tidhi, Varam, Nakshatram, Yogam, Karanam. Tidhi, c'est dépend lune. Pleine lune, Paurnami, noire lune, c'est Amavasai, lune montant, lune descendant, dépend lune qui s'appelle Tidhi. Varam, c'est le jour. Lundi, mardi, mercredi, tout cela, c'est Varam. Nakshatram, c'est l'étoile. Yogam, Karanam, son influence, c'est pour voir le jour, c'est bien ou pas, tout cela, à voir avec Yogam, Karanam. Voilà, c'est cinq très importants pour voir le jour, c'est très bien ou pas. Donc, nous allons regarder l'année commence quelle heure, si l'année commence bien, tout cela. L'année Vilambi 5119 commence grand matin 5h32. Dépend longitude, latitude. Baser le soleil, la calculation basée le soleil aussi. À la Réunion, Vilambi, l'année commence grand matin 5h32. Ensuite, regardez Tidhi Vara Nakshatram, parce que ce 5 c'est très important pour le jour. L'année commence avec Tidhi, première fois Tidhi c'est Trayodashi. Trayodashi c'est bon jour pour Shiva. Ensuite, Chaturdashi aussi commence aujourd'hui. C'est bonjour, il n'y a pas de problème. Le Tidhi, c'est très bien. Varam, samedi. Samedi, normalement, c'est bonjour. Nakshatram, l'étoile, c'est Uttirattadi. Yogam, c'est Mahendra Yogam. Yogam aussi, très bien. Karanam, c'est Vanija Karanam. Vanija aussi, et Karanam aussi, bien. Donc, dépend ça. Aujourd'hui, le Vilambi, cette année, commence bien. Ensuite, nous allons regarder l'avantage de cette année avec la position de planète. La position de planète cette année, première fois, commence avec Soleil. D'abord, je vous dis un petit sloka en sanskrit et tamoul aussi. Après, nous allons regarder la signification pour le sloka, après voir la position de planète, tout cela. Vilamba sampyam manasa savitaram smaramyaham chapa banadaram dorbhyam turanga varavahanam. Ce petit sloka explique l'avantage de cette année en sanskrit. Ensuite, tamil. Vilambi varudam vilayu konjam mari alandu puriyum arasar kalanga muran novam livare nokkaridam kudumai aga pugaladidam.
ça ne vient pas de Vilambi, Shloga Tamil, pour cette année. La signification, c'est quoi? Parce que Vilambi, Vilamba Samyam Manasa Savitaram Smaramyaham. Roi de cette année, c'est Soleil, Savitaram. Savitaram, c'est d'autres noms de Soleil. Donc, roi pour cette année, c'est Soleil. Ensuite, pour Soleil, le chef bon Dieu, c'est Shiva. Donc, Shiva avec Soleil, c'est très important pour cette année. Il faut besoin de prier tous les ans. Pour cette année, c'est très important. Ensuite, vous gardez la position de planète. Le Soleil restait première place avec Vénus. Normalement, tous les ans, le Soleil restait première place. C'est normal. Après, c'est cette année, il restait avec Vénus. Quand le Soleil est première place, normalement, l'agriculteur, ils ont fait travail très bien, mais seulement, il ne récoltera pas bien. Et quand ils vendent le grain ou le canne, n'importe. C'est quand ils récoltent le grain ou canne, quelque chose là. Quand ils vendent, ils ne récoltera pas bien. Ils ne gagnent pas 100%. Ils ne gagnent pas l'argent 100%. Mais seulement il travaille bien, le travail commence bien, mais pas termine très très bien. Ensuite, cette année, la pluie normale, il n'y a pas, si il y a cyclone, mais dépend la position de planète cette année pour Réunion. La pluie, il n'y a pas, si un petit peu cyclone, il n'y a pas trop mal. Ensuite, Rahu, Saturne, Ketu. Tous les trois restaient 4e, 9e et 10e place. C'est-à-dire, les gens, tout le monde fait un petit peu attention avec, comment on dit ça, malade. Parce que cette année, il y a choix pour nouveaux malades, des choses comme ça, toujours protéger. Si vous trouvez un souci dans votre santé, tout de suite, ça va à l'hôpital pour diriger. Mais il n'y a pas de souci parce que Jupiter reste 7e place, il n'y a pas de malade, il n'y a pas comme ça. Mais seulement, il faut, quand il commence, malade commencer, tout de suite, il faut aller à l'hôpital pour garder. Il ne laisse pas comme ça. Après, pour les politiques. Le Mars avec Jupiter, Mercure. Mais tout cela. Mutiser, c'est-à-dire ou tout un changement dans la politique ou la position de décision de politique ou tout un grand changement ou ils prennent une grande décision dans la politique. Voilà. Ensuite, pour l'étudiante. L'étudiante, cette année, l'étudiante, c'est très très bien. Ne vous inquiétez pas. Pour les enfants, pour... cette année, c'est très très bien. Ensuite, pour travailleurs. Travailleurs, normalement, cette année, c'est bon. Parce que Jupiter, c'est pas mal. Travailler avec l'étudiante, cette année, c'est très très bien. Quand il fait travail bien, il fait, c'est travailler quand, normalement, quand il fait 100% de travail, il gagne un résultat 100%. Mais normalement, cette année, pour travailler avec l'étudiante, c'est très très bien. N'inquiète pas. Voilà, et globalement, dépend en position de planète cette année. L'avantage, c'est 60% bien, 40% pas mal, pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, parce que toujours, bon Dieu avec nous, cette année, roi, pour cette année, c'est Soleil. Ensuite, chef pour Soleil, c'est Shiva. Donc, droit prière, Shiva, tous les lundis, une fois par mois ou une fois par semaine, droit prier Shiva. Donc, le soleil donne une bonne lumière dans l'autrui. Shiva donne une bonne connaissance pour enlever tous les obstacles dans l'autrui, pour enlève toutes les soucis, tous les tracas,
tout cela, vous priez Shiva pour enlever toute la malchance. Voilà. Normalement, cette année, 60% bien, c'est une bonne nouvelle. Mais les 40%, c'est pas très bien. Ça a l'avantage de cette année maintenant. Hein. Après, ça dépend. Chacun son thème astral. Hein. Chacun son étoile, chacun son signe. Ça, c'est en général. Après, si vous avez besoin de plus, il faut regarder quelle étoile, c'est chacun tout un changement. Tout le monde pas pareil. Bélier, Taureau, Gémeaux, ben, chacun son avantage. Ils ont changé, mais seulement ça c'est globalement, l'avantage c'est globalement. Mais après, si il y a beaucoup de changements, dépend son thème astral. Si vous avez besoin de plus, il faut regarder le thème astral avec un bon PSM pour voir l'avantage de cette année. Voilà, je vous souhaite bonne année. அனைவருக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். அ பியந்தோ. மெர்சி.